Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toutes ? Non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Eh, regardez, le nouvel obscurantiste a fait un numéro spécial horoscope. Je vais vous lire vos prédictions. Vous êtes quoi comme signe ? Enfin, Webb, tu vas pas me dire que tu crois en des conneries pareilles. Dans le calendrier de l'homme de Pékin, moi je suis tigre à dents de sabre. Moi, je suis singe, ascendant arbre. Ça, on aurait deviné. Alors, singe, cœur, vous êtes trop chasseur et pas assez cueilleur. Réussite, n'essayez pas d'inventer la roue. Forme, évitez la station debout. C'est censé être bien ça? C'est l'apocalypse! La fin du monde est arrivée! Bah... qu'est-ce qui t'arrive, Werther? On vient de déchiffrer le calendrier lémurien. Selon leurs prévisions, la fin du monde est prévue pour le 21 décembre 40012 avant Jésus-Christ. Il est dingo, ton copain. Tous les habitants de la vallée se préparent déjà à la destruction de la planète. Venez voir, on est tous foutus! Le grand déluge approche. Les mammifères vont être punis pour leur orgueil. Repentez-vous, renoncez à vos pouces préhenseurs et à vos... comment ? Revenez aux nageoires et aux branchies ! Bah, c'est hyper pas scientifique. Non, mais sérieusement, Werther, y a marqué quoi dans ton calendrier lémurien ? Il donne des précisions ? Certains disent qu'une météorite va pulvériser la Terre. On nous a déjà fait le coup avec les dinosaures. Franchement, y a pas mort d'homme. D'autres parlent de l'apparition d'un super volcan. Si ça peut casser le monopole de notre volcan à nous et faire baisser les prix du feu à la pompe, alors moi je dis oui tout de suite. Mais vous vous rendez pas compte, on est au bord de la plus grande extinction d'espèces de toute la préhistoire. Darwin, Darwin, aré, aré. Rejoignez les adorateurs de la sélection naturelle. Seuls les élus seront réincarnés après la fin du monde. Ah ouais, et c'est quoi votre méthode? Faites don de toutes vos possessions matérielles à la communauté. Renoncez au silex et portez notre talisman sacré. Ah, c'est trop bien ce collier. C'est l'étoile de Darwin. Celui qui porte l'étoile de Darwin échappera à l'apocalypse, réussira en affaires et en amour, et l'être aimé le suivra comme un chien derrière son maître. Comme un quoi? Laisse tomber. C'est un animal en voie d'apparition. C'est la fin du monde! Dis donc, URL, il va pas bien du tout, ton ami. Non, mais t'inquiète, il fait ça avant chaque examen de fin d'année. C'est le stress. Les primates supportent pas les contrôles de maths. Webb, ah Webb, c'est Werther. Oh, purée! Mais tu m'as fait peur! Qu'est-ce que tu fous dans ma chambre en pleine nuit, là? C'est-à-dire que, comme c'est la fin du monde, je me suis dit que toi et moi, il y avait peut-être une ouverture. Cochon! Aïe! Mais t'es dégueulasse! Non, pas avec le collier! Aïe!